bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur God of War. Nous en sommes à l'épisode 14 et on vient d'une pièce glacée, on se rapproche du sommet de la montagne. Je ne sais pas vraiment ce qu'on va y trouver, on devait ramener les cendres de notre défunte épouse évidemment. Et on est parti, on est très très proche, clairement ça va se faire dans cet épisode. Par contre, qu'est-ce qui va se passer après? Ce sera plus long, merde. Là, écoutez, c'est une question que tout le monde se pose. Je pense qu'on avait récupéré une autre pomme. Et ça, c'est plutôt cool, encore une. Et notre vie augmente encore. Regarde, le sommet. On en est si près. Ton car quoi? La lanière a cassé quand on a affronté le dragon. Ça fait rien, je peux le tenir. Arrête. Un carquois brisé ralentirait tes tirs. On tolère la douleur, mais pas les armes défectueuses. Ça ira pour l'instant. C'est bon? Parfait. Vas-y. Doucement, regarde où tu mets les pieds. Je rappelle qu'on venait d'affronter un dragon, c'est pas n'importe quoi quand même, d'où déjà le nouveau carquois, mais en plus de ça, les quelques difficultés qu'on a pu rencontrer. C'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ça, c'était totalement ça. Allez! Oh, c'est tellement beau cet enchaînement! C'est tellement beau tout ce qui... Ah! Il est mort, lui il est mort. Ah! Ils sont tous morts, c'est terminé pour eux! Ok. Ok, il a un bouclier, je comprends, je comprends. Oh, bien joué à lui! Putain, j'ai tellement rien pu faire! Je pensais pas que carrément ça allait dégager ma hache. Du premier coup, on rencontre encore un nouveau type. C'est les hommes au bouclier. Et ils risquent d'être très très chiants. Et pour les battre, c'est du counter. Ou alors on met le premier coup, histoire qu'il ait pas le temps de mettre son bouclier. Ou alors on va tout simplement derrière. Ok, c'est pas ça. Oh mec, t'es un monstre! GG Atreus, GG. C'est tout ce qu'on aime. Vous êtes combien là, les gars? Ok, t'es prêt? Atreus, c'est pour toi, mon pote. Ok. J'ai rappelé ma hache beaucoup trop vite. Oh, c'est pas mal ça! C'est pas mal ça! Hop lui! Je sais pas ce qu'on va lui faire, mais on va lui mettre ce qu'il mérite. Ok, il méritait peut-être pas tout ça, je vous avoue que là j'ai été fort. Allez, encore de l'XP obtenu, ça on prend de la vie. C'est mieux. Comment c'était? C'est mieux. C'est mieux. Allez, on est parti, direction le sommet. Qu'est-ce qu'on va rencontrer là-haut? Strictement aucune fichue idée. On a quelque chose sur la droite, on a quelque chose sur la gauche. Ok, donc très bien, des racines. Rien d'intéressant, par contre ça, c'est plutôt très intéressant, un artefact qui pourra sûrement se vendre quelques pesetas, histoire de pouvoir, hop là je prends aussi, histoire de pouvoir tranquillement se aussi, racheter du nouveau voix, stuff. Oui, ne fais pas de bruit. Difficile à dire, incrusté dans... Tu sais, ma dernière visite, t'as-t-elle délié la langue? On dirait l'homme qui était venu chez nous. Tu disais l'avoir tué. Chut. Je vois que tu n'es pas seul cette fois. Ce doit être important pour que les fils de Thor daignent m'honorer de leur présence. Dites-moi, vous vous disputez toujours les faveurs de papa? L'homme au tatouage. Les traces indiquent qu'il voyage désormais avec un enfant. Où se dirige-t-il? Comment le saurais-je? Tu es l'homme le plus intelligent qui vive, n'est-ce pas? Et plus intelligent aussi que tous ceux qui sont morts. Si tu m'aides, je t'aiderai. Dis-moi où ils sont et je parlerai à Odin. Ton père ne me laissera jamais partir, Baldur, et il ne te laissera pas me tuer. Tu n'as rien à m'offrir, alors remballe tes questions, tes menaces et c'est de bon à rien, et va aux enfers. Quand personne ne regardera, on viendra prendre ton autre œil. N'oublie pas, nous sommes partout.
Tu l'as dit, mon frère. Ok. Donc, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. On va essayer de counter calmement. Pour pas tomber sur lui. À la base, je veux juste mettre des putains de cendres en haut d'une montagne et j'en prends plein la gueule. Ils connaissent mon passé, d'où Jésus ? Ah, quand on parle du loup, un homme tatoué qui voyage avec un enfant. Atreus suit leurs traces et vérifie que nous sommes seuls. Mais on les a vus partir. Fais ce que je te dis. Il ne sait pas ce que tu es. Non, et c'est très bien comme ça. Qui es-tu ? Moi ? Le plus grand ambassadeur des dieux, des géants et de toutes les créatures des 9 royaumes. De ces terres, je sais chaque recoin et chaque langue, chaque guerre menée, chaque accord conclu. On m'appelle Mimir, l'homme le plus intelligent qui soit et qui peut répondre à la moindre de tes questions. Pourquoi le fils d'Odin nous pourchasse-t-il ? Bon, d'accord, j'ai peut-être quelques lacunes. Mais Odin me garde prisonnier ici, depuis 109 hivers. Je suis un type malin, je dois pouvoir recoller les morceaux, c'est promis. Donne-moi un peu de temps. Y'a personne, je te l'avais dit. La mère du garçon est morte. Elle voulait... On disperse ses cendres depuis le plus haut sommet de tous les royaumes. Oh, dans ce cas, tu n'es pas au bon endroit, mon garçon. Le plus haut sommet de tous les royaumes n'est pas à Midgard, mais à Jotunheim, le royaume des géants. Non ! Ce n'est sûrement pas ce qu'elle voulait dire. Regardez. C'est le dernier pont connu vers Jotunheim dans les 9 royaumes. Vous voyez cette montagne qui ressemble à des doigts de géant touchant le ciel ? Il est là, le plus haut sommet de tous les royaumes. Pas ici. On peut pas prendre ce pont ? On a un Bifrost ? Quand les géants ont détruit tous les ponts qui menaient à leur royaume, ils ont protégé celui-là à l'aide d'une rune secrète. Si elle existe encore, seul un géant la connaît. Et ils ont tous quitté Midgard il y a très longtemps. Exact. Mais aujourd'hui, les vents du destin ont rassemblé de bien étranges coïncidences. Il se trouve que je suis le seul homme au monde à pouvoir vous mener là où vous avez envie d'aller. Et vous avez de la chance, j'ai beaucoup de temps libre en ce moment. On va aller à Jotunheim, pas vrai ? C'est votre meilleure et seule option d'un point de vue stratégique. Le seul endroit où l'homme qui ne peut pas mourir n'ira pas vous chercher. Que doit-on faire ? Oui ! Vous devez commencer par me couper la tête. Quoi ? Odin s'est assuré qu'aucune arme, pas même le marteau de Thor, ne puisse libérer mon corps de ses liens. Heureusement, vous n'avez pas besoin de mon corps, mais il vous faudra trouver quelqu'un qui connaît la magie ancestrale pour ressusciter ma tête. La magie ancestrale ? La sorcière des bois, elle connaît les anciennes pratiques. Elle nous aidera ? Pourquoi pas ? Essayons. Mais si elle échoue, tu seras mort. Il me torture, tu sais. Tous les jours, mon frère. Odin s'en assure personnellement, et tu peux me croire. Son imagination n'a pas de limite. C'est comme ça. Et puis, toujours. Ah, ça n'est pas... Ce n'est pas une vie. Très bien. Oh, je veux pas voir ça. Frère. Si tu n'arrives pas à me ressusciter, il y a une chose que tu dois savoir. Le garçon, plus tu tarderas à lui dire la vérité, plus il sera blessé. Il t'en voudra et tu pourrais le perdre à tout jamais. Il y a encore beaucoup de choses qu'il ne doit pas savoir. Mais ton intimité t'importe plus que ton fils ? Je vais te couper la tête maintenant. C'est de bonne guerre. Trouver l'ancien royaume perdu des géants. C'est... Inopportun. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Nous avons donc une tête avec un vidéoprojecteur intégré et ça,
Ça, les gars, bah je peux vous le dire, bah, c'est la classe, c'est pas tout le monde qui a une tête avec un vidéoprojecteur. On va essayer de voir un petit peu la vue d'ici, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est des montagnes. C'est des montagnes, ça donne envie de skier. Je suis pas sûr que Kratos, le ski, ça soit sa grande passion. Oh, viens, viens mon fils. On va travailler de pair pour récupérer ce qu'il y a dedans. C'est parti. On pourra bientôt traduire les runes de Muspelheim. Ah, d'accord, on peut toujours pas traduire. Alors, vous l'aurez compris, on doit redescendre. Néanmoins, il y a un autre chemin qu'on n'a encore jamais pris. On va prendre de ce pas. Et on doit encore une fois aller voir cette sorcière. Tu saurais retourner à la maison de la sorcière. Oui. Les bois au feuillage écarlate, ah, au sud du lac. Je sais exactement où aller. D'accord. J'espère qu'elle saura ranimer Mimir. On a quelque chose à gauche, c'est un coffre. Avant que tu lui coupes la tête. Voilà. Bon, mon fils, il aime tout le monde, vous l'aurez compris. Le coffre, c'est fait 1300. On arrondit à 1400, c'est sympa, c'est mon dernier mot. On a quoi? On a ceci, mais alors, est-ce que ça, c'est bien? Je suis pas sûr qu'on doit blanchir en vrai. Qu'en pensez-vous? Le voyage, et on ne peut pas y aller. On ne peut que retourner à l'atelier, donc pas très intéressant. On va voir... Ah non, mais il n'y a que ce chemin. On n'a pas le choix. Très bien, on n'a pas le choix. C'est en contrebas. Oui, je me disais, ça fait loin aussi quand même. Hein. Bon, bah on va le prendre pour la première fois. Nous allons prendre la porte qui mène à l'atelier du nain. Et ensuite, de l'atelier, il faudra retourner. Ça va être compliqué, toutes ces histoires. On n'a pas trop le choix, atelier de Brooke. Il n'y a que là qu'on peut aller. Ou sinon... Non, on n'a pas trop le choix. Par contre, on pourra revenir normalement au sommet très facilement. Donc, c'est parti. J'aimerais prendre cette porte. On va voir si ils ont été malins. Oh, temps de chargement. Ils sont malins. Ils sont malins de ouf. Incroyable. Ça doit être une branche de l'arbre monde. Atreus, reste sur le chemin. Oui, oui, je sais. J'arrive pas à croire que Baldur soit venu chez nous. Baldur, le dieu Az, tu t'es battu avec lui. Et t'as gagné. Oui. Un des fils d'Odin, le frère de Thor. Et maintenant, ses neveux et lui nous pourchassent. Mais pourquoi? Si on ressuscite la tête, tu pourras lui demander. D'accord. Tu sais, c'est bête, mais j'espérais qu'on croiserait un géant dans cette montagne. Mais il faut croire qu'ils ont vraiment quitté Midgard. À part le serpent, c'est peut-être le dernier de son espèce. Toi aussi, t'es le dernier de ton espèce, non? C'est pour ça que t'aimes pas parler de... Mon espèce? Je veux dire, ta famille. Avant maman et moi, là où t'as grandi, t'avais bien une mère, un père. Ce n'est pas le moment de parler de ça. D'accord. Il commence à poser beaucoup de questions et on a donc arraché le frère de Thor, le fils, les fils d'Odin. Je voulais voir c'était quoi ça. On saute. Vraiment? Non. Non, non, je voulais juste voir c'était quoi. Non, c'était un proc. Non, c'était un proc. D'où Jésus, on peut plus faire demi-tour. Mauvaise idée ! Donc, c'était donc ça, les temps de chargement camouflés. C'est tout simplement... Ah, d'accord. Reprendre point de contrôle. Ok. Ok. Ça mène direct à la mort. Donc, pour l'instant, ça ne sert strictement à rien. Donc, c'est très intelligent. Je voulais savoir comment ils auraient évité les temps de chargement. Et en fait, c'est très très simple. On est donc dans l'arbre monde avec un chemin où il n'y a pas beaucoup de textures ou de décors à charger. Et c'est donc ça le temps de chargement. Ils nous mettent une conversation un petit peu obligatoire. Et de l'autre côté de la porte, on atterrit direct chez Nain. C'est très intelligent, c'est bien joué de leur part. C'est juste fou. Brock! 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 Quoi? C'est ma pause déjeuner! Comme si je m'amusais à te déranger quand t'es en train de te gratter les fesses, moi! Laisse-le tranquille, Atreus. Vous avez déjà gâché ma solitude! Autant vous joindre à moi, maintenant! Nous n'avons pas faim. Tant mieux! Je vous invitais pas à manger. On a revu ton frère. Félicitations! Et je suis sûr que vous l'avez encore laissé bousiller ma hache bien comme il faut. Hmm? Voyons l'étendue des dégâts. Cette espèce de dégénéré ne serait pas fichu d'ajuster une arme correctement même si sa vie en dépendait.
Mais est-ce qu'il mange assez? Je crois. Bien. C'est réparé. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez, hein? Alors... Sindri est tellement pris par son travail. On va voir si on peut améliorer 2-3 petites choses. Donc protection torse. Tu permets? J'essaie de me concentrer. Allez, 20 000, c'est fait. Déjà terminé. Ok. Je comprends. C'était juste pour mes beaux yeux. Allez, on est reparti. Direction chez la sorcière. On va voir un petit peu ce que ça va donner. J'ai souvenir que c'était dehors et ensuite... Atreus, comment va-t-on chez la sorcière? D'abord, il nous faut un bateau. Ok, Atreus, c'est pas un problème. Retourne à la grotte de la sorcière, ça c'est plutôt cool, parce que grâce à cela, il y avait beaucoup de choses dans la grotte, dont un très gros coffre. Tu te souviens comment retourner chez la sorcière d'ici? Par là, derrière la grande statue de Thor. On va réussir à avoir. Derrière la grande statue de Thor, d'où Jésus. Comment je reconnais la grande statue de Thor? Ah! Mais c'est pas la grande statue de Thor, ça. J'aurais voulu qu'on fasse un voyage comme ça avec Mère. Elle savait se battre, pas vrai? Oui, elle se battait merveilleusement. On s'éloigne. On s'éloigne, je pense pas que ce soit. Je pense que c'est plus là-haut, très clairement. Je pense que c'est plus là-haut. Sinon, je vois pas. Derrière la grande statue de Thor. C'est pas des statues, ça. C'est pas des statues. La grande statue de Thor. Où peut-elle être? Ici, tout simplement, non? Ici, tout simplement, je crois bien. Oh, ça c'est bon ça. J'avais pas réussi à retrouver le chemin la dernière fois. Ok, grotte de la sorcière. Ça, c'est fait. On va pouvoir récupérer le coffre en espérant trouver une autre pomme. Ça nous serait la troisième et on aurait bien plus de vie. Ça serait... T'aurais pas une histoire pour passer le temps? Quel genre d'histoire? Je sais pas. Mère avait plein d'histoires. On t'en racontait pas quand t'étais enfant? Je connaissais un homme autrefois. Ces histoires étaient brèves et instructives. C'est... bien. Est-ce que tu t'en souviens? L'une d'elles parlait d'un lièvre et d'une tortue. Comme chez la sorcière? Je ne pense pas. Qu'est-ce qui se passe? Il se défie dans une course de vitesse. Le lièvre est trop sûr de sa victoire et stupide. La tortue est réfléchie et disciplinée. La tortue gagne. Tu racontes pas souvent d'histoires, hein. Le lièvre et la tortue. Il connaissait un homme autrefois, genre il a connu le niveau Jean de la Fontaine. Quand le serpent est sorti. Oui, je le savais. Ok, ça, ça dégage. On a une nouvelle porte qui mène directement au nain. On va prendre cet ascenseur. C'est bizarre, mais... Je sais qu'elle est puissante, mais tu crois vraiment que la sorcière peut ramener une tête à la vie? Elle semble maîtriser son art. Et nous n'avons rien à perdre. Si jamais elle y arrive pas, on pourra quand même garder la tête? Non. Mais tu pourras la donner au poisson. D'accord. Le pauvre. Franchement, en plus, c'est un mec qui a tout le savoir, quasi, de ce qui se passe à Midgar. Assez terrible pour lui. Mais bon, ça va pas être un souci, normalement. Très bien. Nous revoici donc chez la sorcière. On va ouvrir tout ça. Là, normalement, qu'est-ce que c'est? D'où Jésus? J'ai été point prêt. Ah. Ça, c'est la merde. Hop. On va lui mettre un petit coup dans le vide. Ça, c'est bien, bien, bien chiant. Allez. Ça, c'est fait du premier coup. Toute la sorcière va lui mettre ce qu'elle mérite à celle-ci. Oh, je me suis acharné sur lui. Je vous avoue qu'au bout d'un moment, c'était très, très chiant. Voilà. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal ça. Bon, on l'a mis d'HP déjà. On continue. C'est bon, aucun souci. Ok, je ne sais pas où elle est. Je rappelle que le lock disparaît tout seul. Allez, ça dégage. Ah bien joué à lui. Ah, mon fils ne peut pas achever par contre quelqu'un. Voilà, ça le laisse forcément à quelques HP. Atreus ne peut donc pas tuer. Ah, là ça commence à devenir chiant. D'accord. Voilà, maintenant tu meurs. Les sorcières, c'est vraiment le pire truc.
Allez, argent, XP, tout cela on prend. On a de la vie, on a de la joie, on a un coffre. Oh là là, c'est beau. Qu'est-ce que c'est? Ça mène où ça? Je parie que ça mène à l'extérieur. Ok, on n'y va pas. On n'y va pas parce qu'on a un coffre. Un seau détruit, c'est fait. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qu'on a là? On a un truc à droite, ça m'inspire pas vraiment confiance. C'est pas du tout ce que ça peut être. Ça décode pas seulement les runes de Muspelheim. Waouh. Ça contient aussi la rune de passage. Ok. Si on allait au royaume de feu. Grâce à cela, on peut aller dans un autre royaume. Si j'ai bien compris. Qu'est-ce que c'est cela? J'essaye des trucs, ok, c'est, ça a pas l'air grand chose. On va récupérer, on a déjà un seau. Ça serait bien qu'on aille enfin en bas. Atreus, avec moi. Pour récupérer ce coffre là-haut. Mais il me manquait quelque chose et je ne sais plus c'était quoi. Ah, c'était pour ça. Et on peut toujours pas. Ah, attendez. Atreus? Oh non, Atreus, d'où Jésus? Oh là 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 là. Il fait pas d'effort, c'est... Oh. On a un autre saut. Atreus! C'est chiant! T'es où, petit con? Il est Keblo! Non, fais pas le con, Atreus! D'où Jésus? Il est bloqué. Il est... Ça arrive qu'à moi. Ça arrive qu'à moi. Attends. Ok, j'ai une idée. Si je fais ça, il devrait aller sur mes épaules. Yes. Je suis une machine. Allez. On y va. Hein. T'arrêtes tes conneries maintenant, Atreus. Hein. Ça, c'est terrible. Ça arrive qu'à moi. Un jeu aussi majestueux... C'est forcément pour moi. Oh là là. Jésus, ça, ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir. Ah, ok. Je prends ça. Je vais prendre ça. Parce que on a normalement ce... Ah, éclaté. C'est fait. On va ramasser. On va pouvoir récupérer le coffre. Hein. On va le chercher quand même. Ok, c'est pas par ici. Peut-être là-haut. Il nous manque une seule, un seul saut. Et on est bon. Et il est là. C'est terminé. On va récupérer le coffre pendant que j'y pense. Qu'est-ce qui se passe? Ok, pas grand-chose, juste le coffre, je pense. Allez, régalez-moi une nouvelle pomme, ça serait cool. S'il vous plaît. Je ne sais pas c'est quoi ça. Ah, c'est la corne, c'est la rage. Très bien, 2 sur 3, bon. Écoutez, que ce soit une corne ou une pomme, quoi qu'il arrive, on augmentera. C'est plutôt cool, on va pas se mentir. On va aller récupérer le coffre de là-haut et on va enfin retourner voir la sorcière. Quelques cinématiques bien sympas à gauche à droite. Et ce jeu... Ce jeu est juste fou. Une autre carte de trésor. Ah, Psartek Atreus. Là, tu me fais plaisir, nouveau lieu trouvé. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Des runes, je suppose. Yes, ça, c'est une belle rune. Je connais bien cette rune. Non, pas du tout. C'était quoi? C'était... Le tribut de la tortue. Mais ça, c'est l'emplacement d'un coffre. Très bien. Ici, on peut ouvrir quelque chose. Ici, on a encore un passage fermé. Elle est bien verrouillée. Voilà. Ça sert à rien. Ça, c'est bien triste. Arrachez ça. Il y a de l'argent et ça a l'air de revenir. Oh. Là, on ouvre tous les raccourcis possibles. Chez la sorcière, c'est comme chez nous. On est à la maison. C'est parti. Ok. Ok. Ça c'est pas embêtant. Oh non, vous êtes combien? Ok. Oh là là, c'est l'enfer. Ok. Ah, c'est l'enfer! Oh là là! D'où Jésus? Je sais. Je sais, mais c'est compliqué cette histoire. Oh, c'est bon. Hop, on lui éclate la gueule! Ah, c'était terrible. Oh! Décalage de mâchoire!
Allez, ça dégage. Ça devenait compliqué. Deux sorcières, les gars, je suis pas encore méga chaud pour bien les gérer. Par contre, on a trouvé de l'argent, on a trouvé un symbole de bravo. Il y a une autre vasque de sable là-haut. Comme celle où j'ai dessiné les runes, tu sais. J'ignore comment l'attendre. Un symbole de persévérance aussi. On a quelque chose ici. On a encore quelque chose ici, c'est plutôt cool. Ben ouais, je sais, il y a une vasque. Ah. Là, regarde. Viens. Alors, si j'ai bien compris, il va falloir monter là-bas, d'accord? Ensuite, il va falloir utiliser ceci. Je sais même pas. Je pouvais tracer, hein, bien évidemment, chez la sorcière. Mais c'est pas le projet. Le projet, c'est peut-être pas faire toutes les quêtes. Ah ouais, mais là, c'est bouché. Si je peux me permettre l'expression. C'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas. Ouais, donc c'est quelque chose qu'on n'a toujours pas. Vous l'aurez compris, le projet... Oh, est-ce que ça, je peux carrément l'embarquer en vrai? Non, ça a l'air d'être sur rail. J'essaye quand même. Non, ça a l'air d'être sur rail. Voilà, je vais peut-être pas faire, et je vais sûrement pas faire le jeu à 100%, ça c'est clair et net. Néanmoins, on va essayer de faire un maximum de ce qu'on croise. Et ça suffit, c'est déjà pas mal. C'est déjà même plutôt cool. Tiens, on va prendre ça. C'est fait, on va pouvoir aller chez la sorcière. Et voir un petit peu ce qu'elle a à nous dire au sujet de cette tête. Ça se trouve, elle va... moi je pense qu'elle va être choquée. Elle va être choquée de ouf de voir la tête, mais elle va clairement pouvoir faire quelque chose. Ça c'est pas un problème. Sorcière! J'arrive, c'était par où d'ailleurs? C'était par où? Laissez-moi m'en souvenir. C'est bon. C'est pas évident, hein. C'est des grandes pièces. Il y a énormément de choses à faire. Allez, ça c'est beau. Régale-moi, s'il te plaît. Une rune, ça serait sympa, une belle rune. Ou beaucoup d'argent. Ou beaucoup d'XP. Ah, de l'acier massif. Ça c'est plutôt cool en vrai. C'est plutôt cool pour pouvoir crafter et améliorer notre équipement. J'ai rien dit. Ça m'intéresse grandement. Allez! On va enfin voir la sorcière, on a perdu un petit peu de temps, mais c'était pour le plaisir de la découverte. On va pouvoir y aller, parce que là, pour être très honnête avec vous, il y a des jeux Fallout, par exemple, je prenais pas un maximum de plaisir, si vous voyez ce que je veux dire, à découvrir, mais là, je prends pas mal de plaisir. Faites demi-tour, Az. Les dieux sont pas les bienvenus, on dirait. Ah. Là, je prends du plaisir parce que j'aime bien, en fait, j'aime bien me balader. Comme disait Maître Gims aussi, il a dit beaucoup de choses, Maître Gims. J'espère qu'il se souvient de nous. Ok, là on a une pyramide pour récupérer des connaissances. Chose qu'on va faire de ce pas parce que la pierre est ici. Vous l'aurez compris, c'est un problème. Et on peut ouvrir beaucoup plus de choses aussi. Ça c'est très très cool. Et je sais que derrière apparemment il y avait un autre coffre crypté qu'on va essayer de récupérer. Vas-y, régale-moi fils. Hop, je me suis gouré, désolé. Là, regarde. Attends, laisse-moi lire ça. Allez, tu m'as saoulé, je me casse. Comment ça va, Charlie? Est-ce que la sorcière est ici? Qu'est-ce que c'est que ce nom? C'est ce qu'il m'a dit. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dans ma tête. Charlie. Ah, cette fois-ci, il parlait vraiment. D'habitude, il ajoute ses connaissances et il s'en bat les couilles. Des ennemis devant! Waouh! Allez, ça dégage! C'est chiant, en fait. Par contre, c'est vrai que, souvenez-vous ce que je vous ai dit au début du jeu, qu'ils prennent battre ici, bah franchement, tellement stylé. Ok. Ça va dégager très rapidement, pas de temps pour vos conneries. Ok. Ça dégage. On prend. Waouh! La petite esquive! Ça dégage! Et ça! Ça! Ça dégage, tout simplement. Et ben voilà! Combat! Attends, dis-moi ça. Lila! D'accord! Dis-moi ça. Mort au tout corbeau, seigneur dépendu. Allez, connaissances encore ajoutées. Qu'est-ce qu'on a là-haut? J'arrive, tortue, hein. J'arrive, tortue géniale. T'inquiète pas.
Ouais, bon, allez, on a rien, on est méchant. On va y aller pour pouvoir arrêter la vidéo et puis on reprendra un petit peu plus tard. Ah! Je suis obligé de faire. Allez, ça dégage! Ça dégage! Ok. Oh, bien joué, lui! Il a été monstrueux. Allez, ça, ça dégage aussi! Ah non, les gars, c'était c'était tendu. Hein. C'était très, très, très tendu. On va pas refaire les malins. Oh! Ce coffre est scellé par une rune magique. Trouvez et désactivez les trois sceaux. D'accord. Ok. Une rune magique. Eh ben, c'est parti. Ah, yes! Il y avait le F. Il n'y avait pas le B. Par contre... Ça, c'est très, très chiant. Ça, c'est très, très chiant. Je suis pas sûr qu'il y avait le B, hein. Il reste une rune, normalement. Mais la rune est là, non? Ah, on a un autre coffre! Oh, dur! Va falloir faire ça tout à l'heure. Ou peut-être là-haut. Elle est peut-être là-haut. Regardez cette belle tortue. Viens voir. Ah! J'ai P-I-X, ok, R. Je connais ces runes. Vinder, le vent. Ça doit être la réponse de la vasque de sable. Oh, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses, écoutez, on va s'arrêter là. Il y a beaucoup trop de choses. On a un coffre, on a une petite énigme là-haut qu'il va falloir trouver. Et on va essayer de faire sa prochaine vidéo. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça fait extrêmement plaisir. A très vite tout le monde, portez-vous bien. Ciao, ciao.